Bio Herbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le Bio Cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio. Sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande tribune de début de semaine. Nous commençons par un sujet qui fait parler de lui, un sujet qui est toujours d'actualité, un sujet lié au développement. Nous l'intitulons comme suit, la RDC, le défi du développement sous le mandat du président Félix Tshisekedi. Voilà, je reçois sur ce plateau des habitués de Grande Tribune, votre magazine, et trois invités qui vont devoir cogiter autour de ce sujet. Monsieur Henri Tshimbalanga, qui est journaliste indépendant, c'est pas la première fois, il est toujours avec nous. Merci de la confiance renouvelée, monsieur Henri Tshimbalanga. Je vous en prie, Dan, et salut à tout le monde et à ceux qui nous suivent et aussi et bien à ceux qui sont en face de moi. Je suis très heureux encore de se retrouver ici dans ce cadre précis et au regard aussi de ce sujet qui est vraiment vital pour la survie du peuple congolais. Merci beaucoup, monsieur Henri Tshimbalanga. Monsieur Trésor Kalala, qui est communicateur de l'USN, il est à l'AADC, secrétaire national en charge de la communication et médias de l'AADC. Bonjour une fois de plus, monsieur Trésor Kalala. Bonjour Monsieur Dan, bonjour à tous les téléspectateurs et aussi à mes co-débatteurs sur ces plateaux. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver, n'est-ce pas, sur le plateau de Congo Buzz. Et je crois que nous ferons un débat élevé et ceux qui sont en train de nous suivre seront, n'est-ce pas, édifiés. Comme vous m'avez présenté, je suis secrétaire national en charge de la communication et médias au sein du parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo, parti cher à Madame Adèle Kabena, qui est dans une tournée européenne maintenant, dans le cadre toujours de la redynamisation du parti. Elle est partie seule avec Martin Fayulu? Non, elle est partie seule. Elle est en Europe, précisément, pour le moment, elle est en Belgique. Elle est en train de redynamiser le parti. Et je ne cesserai pas aussi de saluer notre secrétaire général, Maître Eloy Koupa. Alors voilà, nous sommes là, comme j'étais en train de dire, je plaide pour un débat républicain édifiant pour, n'est-ce pas, dissiper aussi les flous sur certains sujets par rapport à ceux qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup, monsieur Kalala. Monsieur Christian Moleka, un habitué aussi, politologue et coordonnateur de la Dipol. Monsieur Moleka, bonjour et merci une fois de plus d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue également nos co-débatteurs sur les plateaux. Et seulement tous les Congolais qui vont nous suivre d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur Moleka. Mais avant de lancer le sujet, laissez-nous un peu aborder quelques sujets d'actualité. Vous le savez, le président de la République a accordé une interview à nos confrères
de BBC au cours duquel il a déclaré ce qui suit. Je pense que dans les jours à venir, avec le déploiement de la force régionale, nous obtiendrons les départs du M23. Monsieur Henri Tshimalanga, quel est votre... Vous avez un avis à mettre par rapport à ce commentaire du président de la République? Oui, je pense que d'abord, c'est un souhait qu'il émet, c'est un vœu, ce qui est tout à fait normal et responsable, lui, en tant que président de la République démocratique du Congo. Il peut en aucun moment, en aucun instant, souhaiter qu'une telle souffrance continue sur les populations, et surtout que dans nos habitudes ou nos langages en tant que Congolais, nous considérons quelque part que le président de la République est comme c'est le père de la nation. Alors, aucun père responsable ne peut être content de voir certains de ses enfants connaître une telle souffrance qui ne dit pas son nom. Tous les jours, ce sont des pleurs. Alors, son souhait ou son vœu, je trouve ça légitime, mais je pense que il est un peu difficile de croire dans tous ces mécanismes-là. Et lui-même, je pense qu'il le sait. Dépendamment de cette force régionale. Oui, je pense que Félix, malgré ce qu'il dit, mais il a conscience de cet état des choses. Et c'est pour cela que, quand j'analyse son passage à Londres, chez le roi d'Angleterre, Charles, je pense qu'il a raison de le voir, parce que vous savez, l'Angleterre, comme les États-Unis, qui forment l'Empire anglo-saxon, sont vraiment cités comme les deux parmi les grandes nations qui soutiennent le Rwanda. Parce que le Rwanda de lui-même, je ne pense pas que le Rwanda soit capable de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Il a aussi déclaré que l'option de la guerre sera l'option ultime si la diplomatie échoue. Oui, je pense que d'une part aussi, il est toujours aussi dans une diplomatie qu'il est en train de faire. En déclarant cela, il ne peut pas tout de suite dire que l'option de la guerre doit être l'option première, parce qu'il doit considérer que en y allant comme cela, les conséquences seront aussi peut-être incalculables. Donc, il ne peut que combiner les deux, talk and fight. Donc, on négocie tout en se battant. D'accord. Monsieur Trésor Kalala, votre avis sur la sortie médiatique du chef de l'État où il a déclaré ce que suit? Je pense que dans les jours à venir, avec les déploiements de la force régionale, nous obtiendrons le départ du M23. Enfin, il dit que l'option militaire, c'est l'option ultime. Oui, effectivement. Vous savez... au XXIe siècle, il est pratiquement impossible qu'un pays puisse gagner la guerre seul. Même les États-Unis, la superpuissance du monde, a toujours des alliés. Donc il est important, n'est-ce pas, de mettre nos forces ensemble pour élaguer cette situation. Et quand il dit que la guerre, c'est la solution ultime, effectivement, il a vraiment raison, parce que moi, je crois qu'il fallait privilégier la voie diplomatique, ce qui est pacifique. Parce que vous devez savoir que la guerre se mène sur les territoires congolais. Et ceux qui mourront, ce sont les Congolais et non les Rwandais. D'où, moi, je crois que ça doit être le dernier recours. Mais avant d'arriver là-bas, il faut continuer... à négocier et surtout à s'adresser aux commanditaires de cette guerre. J'aimerais rejoindre M. Tshimalanga quand il dit en principe le Rwanda ne peut pas nous attaquer. J'ai eu encore à le dire ici, ils n'ont ni les moyens ni les capacités, mais seulement ce sont ceux qui sont derrière le Rwanda qui sont en train de prendre le Rwanda comme un alibi. Vous voyez, c'est notamment les grandes puissances, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, les États-Unis, n'est-ce pas, qui sont derrière le Rwandais afin de prendre nos minéraux à vil prix ou pratiquement gratuitement. Voilà pourquoi on utilise le Rwanda comme un alibi. Mais en réalité, le Rwanda ne peut pas nous attaquer. Alors nous, en tant qu'État, en tant que République, il faudrait nous assumer, notamment en équipant notre armée, en extirpant tous les mauvais éléments. Comme vous le savez, nous avons une armée qui a été infiltrée depuis la nuit des temps.
Mais depuis que le président Tshisekedi est là, vous voyez qu'il est en train de travailler sur ça. On a changé la ligne de commandement de l'état-major général. Il n'y a pas une semaine, on a eu à faire un nettoyage dans l'ensemble de l'armée afin d'extirper, n'est-ce pas, les mauvais éléments. Et je crois que c'est un prélude, n'est-ce pas, d'une attaque que nous devons amorcer contre le Rwanda. Mais ici, j'aimerais rendre hommage, n'est-ce pas, à nos vaillants soldats qui, depuis le jeudi, qui se battent, n'est-ce pas, sans relâche. Et vous avez suivi les nouvelles hier et même ce matin que les FRDC se comportent bien et ils sont même sur le point de récupérer Bounagana. Alors nous sommes en train d'observer comment la fin de la journée sera. Merci. Et je crois que le peuple congolais sera dans la joie par rapport à ça. Merci beaucoup, M. Kalala. M. Moleka, la même question par rapport à la sortie médiatique du chef de l'État sur BBC, où il déclare que l'arrivée, le déploiement de la force régionale peut dissuader les M23, aussi la guerre, c'est l'option ultime. Bon, moi je comprends que le président soit animé de la volonté de changer la perception de l'opinion britannique, anglo-saxon notamment, sur la question congolaise et la question de l'Afrique centrale. Mais je reste assez dubitatif sur ces conclusions. Parce que comme on l'a souvent dit, on l'a vu, nos partenaires de l'Est du Congo ne sont pas aussi de bonne foi qu'il le souhaiterait, le président. Cette absence de bonne foi, moi je crois qu'à un moment donné va nous porter préjudice. Si vous suivez les informations sur la prise de Bounagana, on vous parle de l'intervention de l'Ouganda à côté du Rwanda, tout du moins sa duplicité par le fait que l'armée rwandaise est passée par le territoire ougandais pour nous prendre de dos. Mais en même temps, c'est notre allié avec qui on voudrait combattre le M23. Comment pouvons-nous combattre le M23 avec l'Ouganda alors que le même Ouganda est allié au Rwanda pour nous attaquer et soutenir en même temps le M23? C'est une question assez complexe. En même temps, le mécanisme régional, nous verrons dans un système de déploiement qui sera mis en place, s'ils nous aideront à mettre un terme au M23. Il y a 140 mouvements, bien évidemment. Il y a les DIF et les autres mouvements. On verra bien si ça va nous aider. Alors, M. Moleka, vous étiez dubitatif sur la volonté de la communauté de l'Afrique de l'Est d'aider la RDC à mettre fin à la guerre. Bien évidemment, parce que il y a une sorte, je ne dirais pas de théorisation, mais une sorte de, je peux dire, de prise de conscience des pays de la sous-région, que tous peuvent profiter du Congo de cette manière et qu'il faut se diviser des zones d'influence dans l'est du pays où chaque État peut exercer une influence. Et ce n'est pas l'Ouganda, par exemple, qui a une mainmise dans l'Ituri, dans le nord, qui empêcherait le Rwanda voisin d'avoir une influence dans le sud. Donc on l'a vu d'ailleurs avec la prise de Bounagana, que l'armée ougandaise a été de cette façon complice de l'armée rwandaise parce qu'ils sont passés par l'Ouganda pour prendre l'armée congolaise au dépourvu et prendre la ville. Et donc, c'était cette duplicité, peut-être Bounagana ne serait pas tombé. Donc, on a en face de nous des acteurs qui ont un intérêt en commun, c'est-à-dire d'avoir un Congo fragile qui permette d'ouvrir la zone vers les marchés de leur pays. Chacun a un projet certes concurrent, que ce soit la route des Kassindi, que ce soit la route vers Tanzanie, mais des projets concurrents qui confortent la stabilité du Congo au profit de pays voisins. Et donc je ne vois pas des acteurs premiers concernés par un Congo faible participer à construire demain un Congo fort. C'est à nous de prendre conscience qu'il nous faut travailler dans les réformes, la montée en puissance des services de sécurité, parce qu'une diplomatie ne peut être forte que si elle s'appuie sur des capacités militaires fortes ou des capacités économiques fortes. Parce qu'une diplomatie qui ne s'appuie pas sur les capacités militaires fortes, vous allez demain négocier à genoux, et une diplomatie à genoux, c'est une diplomatie de faiblesse. D'accord. Le deuxième sujet, je commence avec vous directement, c'est cette visite des anciens présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale chez le président actuel, Bahati Lukobo, réclamant l'application de la loi sur les anciens présidents du Parlement et des corps constitués. Votre point de vue à ce sujet? Cette loi-là avait déjà créé beaucoup de débats lorsqu'elle a été votée, parce qu'au départ, il faut qu'on se le dise, cette loi au départ a été créée comme un mécanisme de soutien à l'alternance. Ça veut dire, vous avez des présidents en fonction qui ont peur de quitter le pouvoir parce qu'au sortir du pouvoir, soit ils sont poursuivis,
soit ils ne bénéficient pas de certains avantages, et donc ça justifie le fait qu'ils restent. Et donc pour soutenir, pour pousser ceux qui sont au pouvoir à ne pas avoir peur de partir, c'est pas seulement au Congo, c'est fait dans beaucoup de pays africains, on met en place des dispositifs légaux qui à la fois garantissent une sorte d'amnistie sur les actes durant la gestion, mais qui garantissent également une sorte de sécurité financière après leur mandat. Ensuite, cette loi a été élargie abusivement au président des grands corps, Sénat, Assemblée nationale, au Premier ministre, et donc elle est devenue budgétivore. À un moment donné, sa mise en œuvre commençait à peser sur les finances publiques, et il me semble que le gouvernement actuel, ou celui de Lukamba, avait commencé à retarder sa mise en application. De telle sorte qu'aujourd'hui, on cumule certainement des mois d'arriérés de non-application de la loi, et cette démarche de plaidoyer, en quelque sorte, c'est pour pousser le gouvernement à actionner ce mécanisme et permettre bien évidemment à ceux-là qui en sont bénéficiaires d'accéder à... Normalement, elle a été votée, normalement elle doit être appliquée. Et la loi est appliquée, est adoptée, elle doit être appliquée, sauf si on prend l'option de l'amender ou simplement de l'annuler. Donc c'est au Parlement de le faire, mais je doute fort que le Parlement, les membres du bureau qui sont également bureau sortant d'ici là et qui pourraient bénéficier des mêmes avantages, soient assez disposés à réduire leurs propres avantages à venir. Merci beaucoup, monsieur Moleka. Monsieur Henri Chimalanga, votre point de vue sur cette question. Et qu'en pensez-vous réellement? Bon, je... Faut l'appliquer? Faut l'annuler? Il faut l'amender? Moi, je pense que c'est une loi qui n'est pas du tout bénéfique pour le pays. Mais je comprendrais que cela, du moins, ne reste que sur ceux qui auront à exercer les fonctions, les plus hautes fonctions de la République, c'est-à-dire le président de la République. Parce que c'est l'unique qui est, dans notre contexte, qui est du moins élu par tous les Congolais. Il y a ce suffrage-là. Mais prenons le cas, par exemple, des premiers ministres ou président de l'Assemblée. Il peut se retrouver, après peut-être... bon, il n'a fait qu'un mandat, 5 ans, et maintenant ça reste sur les épaules de la nation pendant autant d'années, et tout ce qui viendront après lui dans les mêmes fonctions, c'est un peu des avantages exagérés, et surtout que il faut aussi des fois contextualiser aussi les choses. On ne doit pas faire des lois qui ne sont pas du tout bénéfiques pour la survie de la nation. Maintenant, eux, ils revendiquent les arriérés qu'on applique, ainsi de suite. C'est bien bon, parce que c'est une loi qui a été votée, promulguée. Mais je pense que Christian a évoqué un aspect qui a concouru à l'établissement de tout ce que nous avons comme loi, en commençant par la loi... portant sur le traitement des anciens présidents qui seront partis de façon démocratique. Il y a lieu de rabattre certaines choses. Moi, je pense et je suis convaincu qu'à l'époque, il eût fallu, parce qu'on avait en face de nous un président qui, au départ, c'était un militaire. Alors, au regard de son accession à ces fonctions-là, donc c'était une présidence... que personne ne pouvait imaginer qu'un jour il va partir, ou il partira comment, personne ne savait. Parce qu'il n'est pas arrivé là-bas par la voie des élections. C'était suite à l'assassinat de Laurent Désiré, et on a Joseph Kabila. Donc, rien ne nous disait ou ne pouvait présager comment il partira de là. Bon, la Constitution est venue. Et par la suite, il y a eu des manœuvres. Non, il est encore jeune, ainsi de suite. Et militaire de surcroît, c'était pas évident qu'un militaire... jeune aussi qu'il était, qu'il puisse partir. Donc, il fallait créer des conditions pour le convaincre que voilà, monsieur, il y a des avantages, il y a une vie après la présidence pour éviter qu'il y ait casse. Parce que le Congolais, à cette époque-là, ne supportait plus la présidence de Joseph Kabila, qu'on se le dise. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on a eu à accepter ces lois-là. Mais... comme on se retrouve maintenant dans d'autres urgences qui demandent à revisiter les stratégies ou les dispositions qui puissent concourir à la survie, à l'avancée de la nation. Donc il faut revisiter des lois pareilles carrément, il faut initier d'autres dispositions pour carrément l'annuler. D'accord. Ou soit maintenir ne fût-ce que des avantages, mais tout à fait un peu diminués. D'accord. Par rapport à...
au président de la République. D'accord. Monsieur Kalala, Trésor Kalala, votre point de vue pour finir pour cette question. On va prendre le sujet du jour. Au fait, comme mes prédécesseurs venaient de le dire, au fait, on avait une Assemblée nationale à l'époque, n'est-ce pas? L'Assemblée qui avait, n'est-ce pas, statué sur cette loi, on nous faisait des lois tailleurs, des lois taillées sur mesure, donc des lois qui avaient pour but, n'est-ce pas, de protéger les individus ou à donner certains avantages aux individus parce que, notamment, il n'y a pas une opportunité. C'est une loi qui n'avance pas les pays, mais qui est en train d'avantager plutôt certains individus. Et moi, je crois qu'il y a des gens qui sont courageux. Même quand je vois les têtes de personnes qui sont allées, qu'on a déléguées pour aller réclamer, n'est-ce pas, cet argent et tout, vous voyez que c'était déjà des mauvais gestionnaires. Ce sont des gens qui ont mis ces pays à genoux, qui ont fait ce que ces pays ne puissent pas développer. Thomas Luaka, Minaku. Ce sont des gens qui n'ont pas un bon témoignage au sein de l'opinion publique. Allez voir seulement, les peuples est énervé avec tout ce qu'ils ont fait à ces pays. Et voilà, ils vont réclamer, soi-disant, les arriérés. Moi, je crois, comme nous sommes dans un état de droit, comme c'est déjà une loi, moi, je crois qu'il faut appliquer, n'est-ce pas, la théorie de l'acte contraire, ok? Donc, comme la loi a été passée par l'Assemblée, je crois qu'il faudrait aussi passer par l'Assemblée pour l'annuler. Mais il y a quand même un petit souci. Est-ce que... ceux qui sont là. Mbosso, Bahati, seront aussi d'accord parce que... c'est pas eux qui votent. Verrez. Mais c'est la plénière ils doivent autoriser, n'est-ce pas, que la question soit alignée. Vous voyez, alors, moi j'ai bien peur parce que d'ici une année et demie ou deux ans, ils seront aussi anciens chefs de corps, d'où ils bénéficieront aussi, n'est-ce pas, des retombées de cette loi. C'est là qui a ma crainte, mais en général, moi je trouve que c'est une loi vraiment impropre à la population. C'est une loi impopulaire qui doit être normalement abrogée. Mais voyons voir les choses. Mais quand la population est en train de voir des choses comme ça, la population n'est pas contente parce que ces gens-là, c'est eux qui nous ont mis dans la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parmi les gens qui ont fait ce que ces pays ne se développent pas, voulais-je dire, c'est toutes ces personnes-là. Moi, je crois que c'est un courage extrême pour aller demander cet argent pendant que ce sont des gens qui se sont sérieusement enrichis, ok, sur le dos de la population. Alors, voyons voir comment les choses vont évoluer. Mais je doute fort que Mbosso puisse aligner cette question-là à l'ordre du jour. C'est aussi possible que cette loi soit appliquée. Pardon? C'est aussi possible qu'il puisse appliquer, qu'on puisse l'appliquer. Possible qu'on puisse l'appliquer comme on le faisait avant? Oui. Mais parce qu'elle est encore en vigueur, sûrement qui doit être, comment, continuer à être appliquée. Mais j'ai beaucoup de réserves par rapport à ce que si Mbosso acceptera que la question soit alignée, okay, pour, n'est-ce pas, qu'on puisse le remettre dans leurs droits ou que la loi soit annulée. D'accord. Je vais lancer le sujet du jour. La RDC et le défi du développement sous le mandat de Félix Tshisekedi. L'actualité en images. Avec ses ressources naturelles incommensurables, la République démocratique du Congo est considérée comme un pays doté d'un potentiel de développement. Paradoxalement, sa population vit dans une extrême pauvreté. Les études de la Banque mondiale indiquent que 94,6% de la population vit avec moins d'un dollar par jour. Pour relever les défis, certains secteurs de la vie nationale peuvent être mis à contribution pour corriger les erreurs du passé, notamment l'économie, le cadre macroéconomique et relancer les secteurs porteurs de croissance. Deuxièmement, améliorer le climat des affaires. La justice, la réforme du secteur de la justice et lutter contre la corruption. Troisièmement, le secteur sécuritaire, la mise en œuvre de la loi de la programmation militaire, la mise à niveau des éléments à travers les académies militaires à l'extérieur comme à l'intérieur. Enfin, la diplomatie, renforcement d'une diplomatie agissante. Voilà. Monsieur Moleka, la question qui nous est posée ce matin, c'est déjà le tableau qui est plein, qui est peint ici, c'est ce paradoxe qu'il y a là entre un pays immensément riche, où vous avez la grande majorité écrasante de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour, donc une extrême pauvreté. 94,6% de la population vit avec moins d'un dollar, selon les données de la Banque mondiale. Voilà, ça s'explique comment, selon vous? Bon, déjà, moi, je ne suis pas toujours très d'accord avec le postulat d'un pays riche. Nous ne sommes pas un pays riche, nous sommes un pays avec un potentiel de richesse, ce qui est vraiment un grand écart, parce qu'un potentiel, il faut le transformer.
Et il y a un auteur qui a dit « Il n'y a de richesse que d'hommes ». La plus grande richesse d'une nation, ce n'est pas son sous-sol, ce sont les hommes qui occupent le pays. Des pays comme le Japon n'ont rien sous le sous-sol. Le Japon importe du thon, le poisson, thon. Des pays comme le Sénégal, c'est maintenant qu'on découvre le pétrole, ils n'avaient rien, ils apportaient de l'arachide. Le Kenya, qui devient une puissance montante dans la sous-région, est premier importateur du thé. Le problème, ce n'est pas le sous-sol, le problème, ce sont les hommes, c'est les intelligences que les hommes mettent pour transformer l'environnement et à partir des potentiels, créer de la richesse. Et ça, au Congo, nous avons un sérieux problème d'hommes, c'est-à-dire de vision, de préparation et d'action de développement. Ensuite, c'est que le problème du Congo, il est plus complexe encore du fait que non seulement nous cumulons un retard en infrastructure, nous avons un retard énorme en infrastructure en Afrique, non seulement nous avons cumulé une désindustrialisation, une économie qui s'est écroulée durant les années 90, on a même atteint au niveau macroéconomique jusqu'à 4000% d'inflation et que aujourd'hui nous sommes en train de remonter, mais vous avez une structure économique qui n'a pas évolué, qui est demeurée dans, je dirais presque, la construction coloniale reposant sur les matières premières, notamment le cuivre, le cobalt, à destination vers l'exportation sans mise à valeur ajoutée. Comment voulez-vous créer de la richesse si l'essentiel de notre production c'est prendre les minéraux, les exporter brut et transformer ailleurs? Comment créer de l'emploi, comment créer de la croissance à l'intérieur, tant qu'on ne transforme pas à l'intérieur, tant qu'on ne permet pas de créer de l'emploi, tant qu'on n'industrialise pas, permettre aux Congolais d'avoir un pouvoir d'achat? Parce que quand vous dites que les Congolais vivent avec moins d'un dollar, ça veut dire que les Congolais n'ont pas de pouvoir d'achat. Or, pour avoir un pouvoir d'achat, il faut avoir un emploi. Vous prenez un secteur comme l'agriculture, qui prend 70% des Congolais. Mais comment finançons-nous ce secteur-là? C'est l'un des secteurs... 70% des Congolais sont dans l'agriculture. Dans l'agriculture. Mais c'est un secteur qui est peu financé, c'est un secteur qui est moins encadré, alors que dans notre PNSD, notre Plan National d'Assurance et Développement, nous avions dit que nous allons avoir une croissance qui va dans les mines et l'agriculture. Nous pouvons même parler de la revanche du sol sur le sous-sol. Ça veut dire que nous mettions l'accent sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, quelle est la place que nous donnons à l'agriculture dans notre développement? Déjà, la part du budget consacrée à l'agriculture, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et dans le budget, il ne faut pas prendre simplement le budget en termes de fonctionnement, de prestations. Il faut prendre le budget en termes d'investissement, en termes d'équipement. Les projets comme Bukangalonzo, qui ont tenté de nous mettre en place des parcs agro-industriels, les PAI, on en devait en avoir 22. Bukangalonzo était le projet phare. Aujourd'hui, il est dans l'eau. Les autres PAI n'ont jamais progressé. Donc nous avons un modèle économique très embryonnaire et qui ne peut pas à ce jour nous permettre d'avoir un plus grand développement. Si vous associez à cela la grande graine de la corruption, vous associez à cela un climat des affaires où nous sommes très mal cotés, une instabilité institutionnelle et politique qui fait que à chaque période d'élection, c'est de l'instabilité. Nous perdons au moins une année en perte d'IDE, donc d'investissement direct étranger, parce que c'est considéré comme période instable. Donc c'est 2024 où nous verrons de la relance pour peut-être 3 ans encore. Dans ces conditions de stabilité politique, vous ne pouvez pas asseoir le développement. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de remodeler les modèles économiques, nous avons besoin de diversifier, de sortir de ce modèle uniquement basé sur les ressources minérales, mais d'aller également vers l'agriculture. Nous avons besoin d'industrialiser et donc de transformer localement. Quand vous dites que le problème du Congolais, c'est le problème d'hommes, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas... Qu'est-ce qui manque à l'homme congolais? Une pensée déjà. Ce qui nous manque, c'est une pensée sur ce que nous voulons. Dans combien de partis politiques on discute de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? En principe, ce sont les partis politiques qui mettent en place les politiques publiques de gouvernance. C'est au sein des partis politiques qu'on devrait avoir des acteurs qui nous disent, voilà, nous au pouvoir, voici nos priorités en termes d'agriculture. De sorte que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils mettent en place cette pensée en termes d'action. Il y a aussi ce problème, quand on arrive au pouvoir, on doit peut-être coaliser, comme le président Tshisekedi, il est arrivé au pouvoir, malheureusement il n'a pas de majorité pour lui, il doit coaliser. Est-ce qu'il aura, il a la possibilité de mettre en application son projet de société pendant qu'il est dans une coalition? Pas totalement, mais déjà il faut que vous ayez ces projets, pour que même en tant que coalition, vous ayez des points de jonction sur lesquels vous pouvez discuter. Mais est-ce que dans nos partis politiques, on discute développement? Appelez les membres des partis politiques, demandez-le, est-ce que vous avez un plan de développement agricole dans votre parti politique? Le jour où vous arrivez au pouvoir, vous faites quoi concrètement en matière d'agriculture? D'accord. Trésor Kalala, la même question. Le Congo, ce paradoxe qui a été présenté dans notre texte,
un pays potentiellement riche, une population extrêmement pauvre. Monsieur Moleka dit tantôt que ce n'est pas la richesse du sous-sol qui fait qu'un pays soit un pays développé, c'est plutôt l'homme congolais. Mais à votre niveau, qu'en pensez-vous? Je crois que c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Nous sommes un pays avec beaucoup de potentialités, mais malheureusement, sa population vit dans une extrême pauvreté. Et moi, je m'en vais rejoindre mon frère pour dire effectivement, nous avons un problème d'homme et de volonté d'échanger les choses. Comment vous pouvez expliquer? Nous avons un pays qui a le pétrole, mais il y a des gens qui se sont succédés au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e République, ok? On n'a même pas une raffinerie de pétrole. C'est anormal. Pendant que nous avons les Nigérians qui raffinent le pétrole, les Angolais qui raffinent le pétrole, les Namibiens qui raffinent le pétrole, mais nous, nous avons le pétrole, mais on n'a pas su, il n'y a pas eu une volonté politique, n'est-ce pas? Pour, n'est-ce pas, vouloir changer les choses dans ces domaines-là. Nous avons de l'eau, nous avons des fleuves, nous avons des lacs, nous avons des rivières. Nous avons un lac comme Tanganyika. On vous dit qu'il y a 7 couches de poissons. Il y a des poissons qui meurent même de vieillesse. Mais vous vous rendez compte que nous n'avons même pas un seul bateau de pêche. N'infis qu'un seul bateau de pêche. Et tout ce qui s'est fait là, c'est la pêche artisanale. Vous voyez au moins les niveaux. Donc, combien coûte un bateau de pêche? Et durant tous les temps qu'il y a eu des gens qui sont passés, n'est-ce pas, au pouvoir, on ne laisse même pas un bateau de pêche. Je crois qu'il y a un sérieux problème d'homme. Quand nous allons même dans les domaines, n'est-ce pas, de l'agriculture, vous voyez, nous avons 80 millions de terres arables. Ok? Nous sommes capables de nourrir 2 milliards de la population mondiale. Mais chez nous, nous mourons de faim pendant que nous avons la terre à cultiver. Tout ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la volonté. Alors que on vous dit que pour développer comme ces domaines-là, n'est-ce pas, d'agriculture, il vous faut des routes, n'est-ce pas, à des certes agricoles, les routes qui vont desservir, n'est-ce pas, les agglomérations, là où se passe l'agriculture, pour l'amener, n'est-ce pas, en ville. Mais on ne sent pas une volonté. On ne sent pas une volonté de construire les routes, n'est-ce pas, d'industrialiser. Vous voyez, nous avons 80 millions de terres arables, mais nous n'avons même pas une minoterie. Même pas une minoterie. Après 5 législatures. En fait, c'est un contraste. Nous avons les minerais, le cobalt, l'or, tout ce que vous pouvez citer. On ne transforme pas. On prend les bruts. On exporte le brut. On exporte les bruts. Et là, c'est une partie seulement ou un petit groupe des individus qui se retrouvent au détriment de toute la population. Donc, c'est un contraste. Dieu merci que pour le moment, nous avons à la tête du pays un digne fils du pays comme Félix Tshisekedi. Lui, vous voyez qu'il a la volonté d'échanger les choses. Et déjà, quand il dit qu'il faut mener à la revanche du sous-sol, plutôt du sol sur le sous-sol, mais pas exclure aussi les sous-sols parce que c'est parmi, n'est-ce pas, l'élément majeur, n'est-ce pas, dans la contribution de notre donc, budget. Il est pas, mais dans son quinquennat, il est quand même en train de changer les choses. Dans son quinquennat, il est en train de changer les choses, notamment, vous voyez, par exemple, les services nationaux n'existaient plus, Kanyamaka CC. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a relancé, malgré qu'on n'a pas encore atteint l'idéal, mais un pas a été franchi. Vous voyez aujourd'hui que ce qui est produit là-bas, ça peut être consommé dans les camps militaires, par exemple, à vil prix. Aujourd'hui, les militaires peuvent acheter un sac de farine à moins de 10 dollars, 18 000 francs pratiquement. Je crois il y a 2 mois en arrière, on a eu à prendre une cargaison pour amener, n'est-ce pas, en Mbujimayi. Ce n'est pas ça l'idéal, mais on est en train quand même d'évoluer. Okay? Nous avons par exemple dans le domaine de pêche, vous avez vu les prisons qui étaient à Kinkole et tout, et au moment où nous parlons, il y a le port de Kinkole qui est en train, il y a des travaux qui ont déjà commencé, n'est-ce pas, pour réhabiliter ce port-là afin d'industrialiser, n'est-ce pas, la pêche. Vous voyez comme au Katanga par exemple, il y a une usine de raffinerie de cobalt, tu vois, qui venait d'être construite. Là, c'est pour que nous puissions transformer à l'interne. Vous voyez, à l'est de notre République, il y a une usine de raffinerie, n'est-ce pas, de l'or. À Lubumbashi, par exemple, il y a une usine de fabrication de câbles. Tout ça, ce sont des choses qui sont arrivées avec Tshisekedi. Parce que vous devez savoir que lorsque nos minéraux sortent bruts... Tshisekedi, le pays prend un autre virage. Nous sommes en train de prendre, comme ça j'ai dit, Dieu merci, parce que vous voyez, Tshisekedi a hérité un pays dans cet état-là. Comme je suis en train de peindre les tableaux, pas de bateaux de pêche, pas de raffinerie de pétrole, pas de minoterie. En fait... Le président avait raison de dire que ce pays est à terre. Non, mais le pays, même pas par terre, mais dans un profond trou.
dans un profond trou. D'accord. Et là, à son arrivée, il est en train de relever, parce que c'est un contraste, on venait de le dire, nous avons toutes ces richesses, nous avons ces minéraux, nous avons l'eau, nous avons la forêt, nous avons les gaz, nous avons les pétroles. D'accord. Mais la population vit dans la misère. On dirait que tu es debout dans une rivière, mais tu meurs de soif. En fait, c'est ça la vie du Congolais. Alors, heureusement, je disais, le président Tshisekedi est là. On sent une volonté d'échanger les choses, même si on n'a pas encore atteint l'idéal, parce que tout ce que nous recherchons, c'est la volonté. Vous savez, ces pays, n'importe qui peut les diriger. Il suffit d'avoir juste la volonté et les choses peuvent évoluer. Merci beaucoup, Trésor Kalala. Monsieur Chimbananga, la même question. Ce paradoxe, vous le comprenez comment? Bon, c'est un fait de plusieurs paramètres, entre autres. Parce que la question d'abord, il faut comprendre que la question que vous avez soulevée ici, hein, le défi de développement, le terminal de la question m'intéresse beaucoup. Là, vous êtes précis sous le président Félix Tshisekedi. Je pense que là, ça me pousse à beaucoup plus prendre l'aspect, le capital humain. Félix Tshisekedi, souvent, il lance, il projette des visions qui sont, à mon avis, des visions très vitales. Mais qui, malheureusement, dans le constat, c'est comme si il lance une vision, mais lui-même, il ne s'y met pas pour l'application de ce qu'il lance comme vision ou comme thématique. Il a parlé de, il a déclaré la revanche du sol sur le sous-sol. Mais dans l'application, ça pose problème. Ça pose problème. Même pas un début d'application. Cela reviendrait même à pas dire. Un début, même pas quelque chose. Votre débatteur a cité tantôt Kanyamaka Cissé. Oui. Les jeunes gens qui produisent. Kanyamaka Cissé, c'est une bonne chose. Hein. C'est un service national qui devrait prendre. S'élargir sur l'étendue de la République avec le temps. C'est une bonne chose qu'il se soit inscrit dans la continuité de l'État, parce que c'est un service qui avait été créé par Laurent Désiré, qui trouvait aussi à son époque que c'était inconcevable que nous, avec autant de terres arables, mais nous quittons pour aller importer le maïs en Tanzanie et en Zambie. C'était inconcevable. C'est ce même paradoxe-là qui nous revient aujourd'hui à constater que non, on a un sous-sol très riche, mais on est pauvre là-dessus. Donc nous vivons sur une mine d'or pendant qu'on n'a rien pour survivre. Donc je disais que, voyez par exemple le concept qui me semble être très très capital, le développement à la base. Parce que de l'extérieur, vous avez énuméré là-bas plusieurs paramètres, la diplomatie, l'armée, ainsi de suite. Moi, je pense que dès son entrée en fonction, il y avait tous les indices étaient vraiment clairs pour comprendre que sur le plan international, Félix Tshisekedi ne serait pas bienvenu. Ne serait pas. Oui. Voyez d'abord, pendant la période de publication des élections, la CENI, qui a publié les résultats provisoires. Qu'est-ce qui se passe déjà? Il y a la France qui initie un conseil de sécurité. Mais dans la foulée, c'était quoi? La démarche était pour empêcher d'arriver au résultat définitif qui était déjà annoncé de façon provisoire par la CENI. Et heureusement, à ce niveau-là, la France qui voulait faire valoir une autre carte pour obtenir le soi-disant, le décompte, ainsi de suite. Donc pour eux, non, Félix ne devait pas être président. La Russie et la Chine ont opposé leur droit de veto à cette démarche-là. Et ils ont dit ceci. Il y a eu un communiqué qui avait été signé par l'Afrique du Sud, hein, pour le compte de l'Afrique. Que non, étant donné que la loi congolaise ne reconnaît pas une ONG, soit-elle Cinco ou quoi que ce soit, cette compétence de publier les résultats. Attendons seulement la CENI qui est habilitée au regard de la loi congolaise. Laquelle CENI a publié Félix Tshisekedi. Et on a eu à avoir des résultats définitifs au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout est parti de là. La France, la Belgique, les États-Unis et tous ces gens-là ont pris du temps jusqu'aujourd'hui.
finalement, on comprend qu'ils n'ont jamais soutenu la présidence de Félix. Combien de tours a-t-il fait? Combien d'investisseurs nous avons eu? Vous comprenez? Alors moi, je pense qu'il serait mieux qu'il s'appuie, qu'il se replie en interne. Nous avons tous les atouts. Là, j'évoque le plan de développement sur base de les 145 territoires. Okay, mais c'est un plan qui va, si jamais il arrivait à le mettre en application. Okay. Et encore qu'il y a des sérieux soucis. La conception est bonne, mais je me demande, le budget qui est mis à la disposition de ce plan-là, c'est pas du tout, ça ne va pas garantir la faisabilité. D'accord. Parce qu'au final, on aura 10 millions de dollars pour un territoire donné. D'accord. Prenez par exemple, je vais chuter par là. Nous avons par exemple la province du Kassai Oriental, qui a 5 territoires. D'abord, les députés provinciaux qui sont là-bas, premier handicap, ils vous revendiquent 30 mois d'arriérés de salaire. Bon, maintenant, un tel programme. Or, les entités décentralisées là-bas sont sous la coupe du gouvernement provincial. Lequel gouvernement provincial est sous le contrôle de l'Assemblée provinciale. Mais si ces assemblées provinciales qui ne sont pas payées, et vous pensez qu'une manne de 10 millions de dollars qui arrive, quel en sera le sort de cet argent-là? D'abord, dès le départ, c'est insuffisant par rapport aux besoins de ces coins-là pour leur développement. Donc moi, je pense qu'en conclusion, à ce niveau-là, il faut que le président se rabatte en interne pour essayer de faire mieux au lieu de l'extérieur. Merci beaucoup, M. Henri Tumalanga. M. Moleka, sous le président Tshisekedi, est-ce qu'il y a un élan de changement, un élan d'amélioration de ce qui avait été fait avant? Fondamentalement, non. Il y a certes quelques aspects, fondamentalement non. Pourquoi? Parce que l'un des éléments prioritaires du développement au Congo, c'est le financement. Comment nous finançons le développement? Et c'est structurel, nous cherchons le financement à l'extérieur. Parce que nous avons de faibles capacités de financement à l'interne, de mobilisation à l'interne. Et quels que soient les efforts qu'on est en train de faire aujourd'hui pour lutter contre les détournements de biens publics, la corruption, nous sommes aujourd'hui incapables de mobiliser suffisamment en interne. Mais déjà, le fait qu'on atteigne 14 milliards, ce qui va... Mais c'est très faible, 14 milliards. Pour un pays comme le Congo, c'est très faible. Nous le trouvons comme une sorte de mérite, mais c'est très faible. C'est très faible. Prenez un pays comme l'Angola, c'est vrai, on dira qu'il est pétrodollar, mais qui a 32 millions d'habitants, il a quel budget? Nous avons une centaine de millions de Congolais, nous sommes à quel budget? Il faut dire 14 milliards pour 100 millions d'habitants. Mais à comparer au budget de l'Angola avec 32 millions d'habitants. Donc c'est un budget faible. C'est vrai que c'est une croissance, c'est vrai qu'on doit saluer l'avancée, mais il demeure faible. Parce que vous prenez un projet comme 145 territoires. Un projet qui va coûter, je crois, entre 1,6 milliard de dollars. Mais dont 50% des financements ont reçu le soutien des droits de tirage spéciaux des FMI. Ça veut dire, pour que nous mettions en place ce projet, nous avons besoin des financements extérieurs. Et le grand problème du Congo, c'est comment on finance le développement. Et c'est pour ça que le président a pris son avion, allé à New York, allé ainsi de suite, chercher de l'argent pour financer le développement. On l'a vu avec Mouzet. Les amis du Congo cherchaient l'argent, puis il est rentré pour dire je n'ai pas trouvé les amis du Congo, la coopération sud-sud. On l'a vu avec Kabila tenter un montage avec les 5 chantiers, avec les Chinois, parce que notre grand problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent en interne pour financer ce que nous voulons pour le développement. Et donc nous dépendons essentiellement des financements extérieurs. Vous prenez le PNSD, notre plan stratégique de développement, qui est pratiquement à plus de 50 milliards de dollars, nous n'avons pas la capacité de le financer. Vous prenez même nos différentes réformes, nous ne la finançons pas, nous dépendons de l'extérieur. Il faut que nous arrivions à régler le problème du financement du développement. Comment y parvenir déjà? Parce que améliorer les capacités extractives, c'est-à-dire nos capacités à mobiliser en interne, en évitant les coulages des recettes, en mettant par exemple mécanismes de traçabilité des recettes en intérieur, parce que beaucoup d'argent nous échappe. Il suffit que de suivre l'actualité, c'est chaque semaine des centaines de millions qui échappent à l'État. Il faut déjà qu'en interne, et c'est pour ça que ces gens auprès desquels nous allons demander l'argent, nous disent, mais vous nous venez de demander 40 millions ou 100 millions chez vous, mais nous avons entendu parler de centaines de millions de dollars.
Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux si nous allons demander à l'extérieur 100 millions, alors qu'en même temps, il y a eu des tournements de 40 millions, de 70 millions, on ne la donnera pas. Donc, sur ce côté-là, nous avons un sérieux problème de financement et de développement. On n'est pas crédible. Nous ne sommes pas crédibles. Nous ne sommes pas crédibles à l'extérieur et c'est pour ça que beaucoup de, malgré la bonne volonté du président, on nous dit toujours qu'il faut améliorer le climat des affaires, il faut assainir le climat des affaires. Et c'est cela qu'il faut travailler pour rassurer la venue du financement extérieur. Deuxièmement, c'est le budget. C'est vrai, on parle de 14 milliards, mais entrer à l'intérieur, nous avons toujours un budget absorbé à grande pourcent par les institutions politiques. Donc 60% de notre budget, ce sont les institutions. Nous venons de parler d'anciens parlementaires, anciens grands corps, anciens présidents de la République. Mais comment voulez-vous que nous financions le développement, c'est-à-dire l'investissement, si le budget, c'est salaire, prestations et institutions? Là encore, on n'a pas beaucoup évolué. Est-ce que ce n'est pas normal vu la taille du pays? Ce n'est pas normal. Nous avons un grand pays avec beaucoup d'institutions. Est-ce que payer toutes ces institutions... Mais comment allons-nous financer les routes alors? Ça doit coûter. Parce que là, nous sommes en train de parler de financer les routes, financer les écoles, financer les hôpitaux. Comment on les fait? Si déjà le budget, qui est notre thermomètre des recettes en interne, ne sert qu'à couvrir en grande partie les institutions. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de financer notre propre développement. C'est ça le grand problème. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas aussi grandement évolué sur la capacité en interne à financer notre développement parce que notre budget est trop orienté vers les institutions qui sont budgétivores. Nous parlons de l'Assemblée provinciale. Nous avons fait un débat ici autour des salaires des députés. Nous avons fait un débat autour des salaires des anciens premiers ministres ou présidents. C'est-à-dire que notre budget mobilisé en interne est très mal réparti. Très mal. Très, très mal réparti. Et quand vous entrez encore dans la répartition par secteur, c'est-à-dire par ministère, là encore, vous verrez que c'est très mal réparti. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité énorme, par exemple, entre le ministère du développement rural, l'aménagement du territoire, l'agriculture ou la défense. Mais comment voulez-vous que dans ces contextes-là, nous réussissons le pari du développement? Nous n'allons pas réussir le pari du développement. Parce que pour développer, il faut financer. Ça veut dire construire un barrage. Mon frère parle des poissons à Tanganyika. Mais pour pêcher à Tanganyika, ça veut dire qu'il faut réhabiliter les barrages de Bendera pour le courant, il faut réhabiliter le port à Tanganyika, il faut reconnecter Tanganyika à Cabinda, à Mbujimayi pour que les zones de production soient reliées aux zones de consommation. D'accord. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'il faut mettre en termes d'investissement. D'accord. Et cet argent-là, nous ne l'avons pas. Merci, merci beaucoup, monsieur Mondeka. Mais déjà, il y a un autre tableau qui est peint, le tableau de presque toutes les entreprises de l'État qui sont aussi à terre. Vous avez la SNEL, la GDESO, l'ONATRA, la GCAMIN, la SCTP. Presque, on a l'impression que toutes ces entreprises de l'État sont aussi à terre. Comment, monsieur Mondeka a posé la question, comment on va développer le pays, les projets de développement, pendant que déjà au niveau interne, on a des multiples qui sont multisectoriels. C'est incroyable quand même. Voilà, c'est comme on était en train de dire, c'est un problème d'homme. Bon, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui était dit ici, notamment par M. Tshimbalanga, quand il dit il y a même pas un début de commencement, n'est-ce pas, pour changer la situation par rapport à ce que nous avons beaucoup de ressources, n'est-ce pas, mais le peuple vit dans la misère. Moi, j'ai dit non, c'est pas vrai. Il y a une vraie volonté d'échanger les choses, une vraie volonté manifeste du président actuel. Et même, il y a des pas qui sont en train d'être franchis. On venait d'évoquer ici, par exemple, le problème des Kanyamaka, c'était KCC, qui était pratiquement par terre. Mais je dis, même si on n'a pas encore atteint l'idéal, mais il y a un pas qui vient d'être franchi, qu'il faudrait reconnaître, même si ce n'est pas encore l'idéal. Mais on a commencé quand même une marche. Vous voyez, le fait d'interdire la sortie de nos ressources brutes, ok, c'est déjà un pas, parce que c'est ça qui a favorisé aussi la pauvreté dans notre pays. Quand les investisseurs viennent, par exemple pour les secteurs miniers comme à Kolwezi là-bas, ils peuvent signer des contrats pour exploiter le cuivre et le cobalt. Mais vous verrez que lorsqu'on exporte les brutes dans l'hétérogénite là, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment les cuivres. Il y a les cobalt, il y a les zinc, il y a les talc, il y a le moellon, il y a le malachite, il y a du gravier. En fait, quand on prend les brutes, c'est qu'on signe un contrat pour 2 minéraux, mais on peut vous prendre 9 ou 11 minéraux comme ça. Vous voyez? Alors, le président, quand il arrive, il dit qu'il faut éviter l'exportation du brut. Moi, je crois que c'est un pas. C'est quelque chose qui est en train
d'être fait, n'est-ce pas, dans la volonté de vouloir changer les choses. Lorsque il y a la patrouille financière, par exemple, aujourd'hui, il y a des mandataires qui dépassent leurs assignations. Aujourd'hui, nous avons nos réserves d'échange qui ont augmenté. Aujourd'hui, nous avons notre budget qui a augmenté. Ce n'est pas encore ça qu'il faut, mais au moins, il y a un pas qui a été franchi. C'est ça le plus important. Vous vous rappellerez que dans ces pays, on pouvait voter une prévision budgétaire, par exemple, de 6 milliards de dollars. Mais l'application, c'est à 40%. 40%, on pouvait collecter juste 3 milliards, 3 milliards et demi, pendant qu'on a prévu 6 milliards. Mais avec Tshisekedi, vous voyez que là, on avait prévu 10 milliards et on a atteint ces 10 milliards, par exemple. Et notre souhait, c'est que comme on a prévu 14 milliards, et d'ailleurs j'ai entendu des discussions, c'est qu'on puisse aller jusqu'à 17 milliards. Quand on retient ce montant-là, eh bien, nous devons l'atteindre. Et c'est ça que Tshisekedi est en train de faire. Il y a aussi des problèmes qui continuent, notamment la présidence. Vous suivez les rapports de l'ODEP. La présidence est parmi les institutions qui sont les plus budgétivores. Les dépassements budgétaires dont on ne sait pas décrire. On a parlé de la question des députés nationaux qui toucheraient un montant astronomique comparé au petit peuple. Ouais. Comment on va financer les projets de développement avec cette inégalité? Même la dernière fois j'étais sur votre plateau, j'ai dit c'est un vrai débat. Il faut réduire les trains de vie des institutions. Il faut réduire. Quand on vous dit qu'il y a 60% du budget, 60% qui va dans le fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions. Commencer par la présidence. Mais partout, effectivement. Il faut réduire les trains de vie. Parce que à un certain moment, c'est vrai, les budgets sont en train d'augmenter. Mais nous voulons aussi voir l'impact, n'est-ce pas, dans la société. C'est comme ça que nous disons qu'il faut aussi bouger de ce côté-là. Il faut qu'on bouge les salaires, les avantages et tout ça pour que le peuple, n'est-ce pas, puisse se retrouver. Mais ce qui me concerne ou ce qui m'encourage, c'est que au moins il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Nous sommes en train de sentir une vraie volonté de changer les choses, parce que ça sera la première fois dans ces pays qu'on prévoit un budget de 14 milliards. Ça sera la première fois. Aujourd'hui, nos actifs en banque sont au-delà. Le réserve d'échange, c'est au-delà. Les mandataires, ils dépassent leurs assignations. On sent que maintenant, il y a du sérieux, n'est-ce pas, qui est en train de se manifester, si on n'a pas encore atteint... Le chômage reste toujours endémique. Oui, mais c'est un problème. J'ai dit, le développement, c'est sur la durée. On ne développe pas un pays par un coup de bâton magique. Il faut du temps. On commence toujours quelque part. Même quand on parle de route à dessert agricole et consorts, c'était la mauvaise foi de ceux qui étaient là avant. Mais quand Tshisekedi est là, vous voyez qu'il y a des routes à dessert agricole, effectivement, qui sont en train d'être construites. Tout ça, c'est pour... C'est pour pallier, en fait, à cette situation. Vous avez évoqué ici, il y a la SNEL qui était par terre, l'OCPT par terre, la Régie des Eaux, et tout, la MIBA, la GECAMINE, la SNCC, l'ONATRA. Vous voyez, on vous dit... Pardon ? C'est par terre. Oui, tout est par terre. Donc, vous sentez qu'il faut relever le pays, mais il faut commencer toujours quelque part. On ne commencera pas à changer tout par un coup de bâton magique, c'est secteur par secteur, petit à petit, notamment le projet des 145 territoires, qui prévoit 10 millions pour chaque territoire. Et là, vous verrez qu'il y a les routes, qu'il y a des bâtiments administratifs, n'est-ce pas, qui doivent être construits. Il y a des écoles, il y a des hôpitaux. En fait, c'est du tout. Dans 5 ans, on ne saura pas tout faire, mais au moins, on peut poser des bases, et c'est ça que Tshisekedi est en train de faire. Merci beaucoup, M. Trésor Kalala, M. Henri Tshimbalanga. Un des secteurs aussi importants qui peut permettre à mobiliser en interne, c'est aussi le secteur de la justice, où vous avez la corruption et les détournements qui bat son plein. Vous avez suivi cette information de Congo Airways avec son ancien DG qui a versé une rétrocommission de 20% à l'ancien ministre de l'économie jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'en parle pas. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres affaires de détournement qu'on a connues, Projet 100 jours, tout ça, notamment Willy Bakonga qui a été condamné pour blanchiment des capitaux. C'est aussi un secteur qui est en train de faillir. Le secteur de la justice, c'est vraiment, vraiment un cheval de Troie, comme on le dit. Oui, ce secteur-là, il est dans beaucoup. Si aujourd'hui, de l'extérieur, on ne nous prend pas au sérieux, c'est à partir d'abord de ce secteur-là. Je sais qu'il y a quelques mois, l'ancien ambassadeur des États-Unis ici, Mike Hammer, avait tweeté, faisant voir que les investisseurs américains ne peuvent pas venir dans ce pays tant que la justice ne tourne pas. C'est l'affaire Tshimanga.
Oui, mais tout cela en un bloc. Ici, il est question de faire distinguo un peu de certaines choses ou de certains concepts. La volonté politique, c'est une chose. Mais la matérialisation, c'est ça l'objectif. Vous savez, il ne suffit pas que nous applaudissions la volonté politique de Félix. Mais nous devons le vivre sur les effets. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous mobilisez. Il y a eu des records partout à travers les régies financières. C'est bien bon. Mais pour quelle fin? C'est pour que les institutions, les trois là, bouffent tout ce qui a été mobilisé. Finalement, on mobilise tout cela avec pompe. Pour quel objectif? Donc, nous, population, nous applaudissons. Voilà, il y a un travail qui se fait. Aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards. Mais 60%, c'est bouffé par les trois institutions. Je pense que ça, ça contredit cette volonté-là. Donc, ça ne doit pas être comme une technique d'un sorcier qui t'engraisse pour bien te bouffer. Donc, et là, finalement, le peuple ne va jamais se retrouver là-dedans. Vous savez, pour parler nation, je relève deux choses. Il y a le territoire qui est un espace donné et la population. Les deux éléments forment une nation. Et au-delà de tout cela, il faudrait que la population ressorte, ou le peuple ressorte sa capacité organisationnelle pour vivre en tant que tel. Et cette capacité organisationnelle passe par beaucoup de secteurs. Ici, vous avez fait allusion à l'armée. Nous avons l'armée qui a pour mission défense du territoire national. Parce que le peuple vit sur un territoire donné pour en faire une nation. Mais maintenant, c'est notre territoire qui regorge des richesses. Les minéraux. Ce sont les minéraux qui devraient constituer, pour le cas de la RDC, en tant que source première pour la devise ou pour renflouer notre économie. Mais ces minéraux-là sont comme dans un domaine qui n'est pas clôturé et livré à tout passant. Parce que notre armée est dans un état où elle n'est pas en mesure de défendre comme il le faudra notre territoire national. Et ça passe par quoi? Par beaucoup de paramètres. Donc je dirais que la volonté, c'est bien bon. Mais la volonté ne doit pas être expressive, ne doit pas être que verbale. Mais c'est plutôt dans le concret. La présidence actuelle bat un record. Hein, par rapport à toutes les présidences précédentes, la façon dont la présidence actuelle consomme. Mais finalement, vous allez consommer tout ce qu'on produit. Donc, nous allons nous limiter à applaudir cette bonne volonté, mais par contre, que les fruits de cette bonne volonté-là, c'est avalé. Les patrouilles financières, je peux dire que c'est parmi l'élément qui fait qu'on ait ces records-là. Mais au final, ça servira à quoi si ce n'est que les députés ou l'Assemblée, il y a de l'autre côté la présidence. Chaque fois l'ODEP est en train de faire cet exercice. L'ODEP n'a pas commencé que sur Félix. Ça a toujours été ainsi. Sous Kabila, je me souviens, quand Kabila avait nommé un cabinet de, je crois, 300 membres comme ça. C'était plein du fait que les... Oui, mais c'est ça, c'est trop. Mais aujourd'hui, nous sommes à trois fois le triple de ce cabinet-là qu'on avait décrié que c'était budgétivore. Mais finalement, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Vous avez ici parlé du problème de rétrocommission. Mais malheureusement, c'est le président de la République qui avait annoncé que chez nous, la rétrocommission est légale. Maintenant, comment on peut dénoncer encore? Comment on peut condamner ce qui se passe là-bas? Maintenant, nous avons les conséquences. Congo Airways est par terre. Une entreprise commerciale... 19 mois d'arriérés de salaire. Mais d'où viendraient ces arriérés-là? Parce que c'est une société commerciale. Les gens ne montaient pas à bord de ces avions-là gratuitement. Ça se payait. Et où allait, où partait cet argent-là? Mais malgré les révélations de Jeune Afrique, il n'y a toujours pas de suite. On ne mais sent pas... Jeune Afrique fait des révélations, mais qui ne sont pas des révélations aux yeux de nos dirigeants, parce qu'ils savent ce qui se passe. Jeune Afrique fait des révélations, c'est par rapport à nous, le petit peuple congolais, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des magouilles. Mais eux qui sont là-bas, ce sont des pratiques qui se disent, non, des rétro-commissions. Vous donnez, parce que c'est pratique. Tu ne vas pas discuter. Bon, quand il y a un ministre qui te demande à toi, le PDG, là, la rétrocommission, il te dit clairement que, mais dis-toi, tu ne sais pas que le président a dit que c'est légal.
Si tu ne donnes pas la rétrocommission, je te casse. Bon, tu vas aller l'accuser où? Toi, le PDG, parce que merci. Ici, chez nous, c'est légal. Tu merci. Vas l'accuser où? Merci tu seras obligé de donner. Et en donnant comme ça, ça t'ouvre une porte aussi d'en faire aussi plus. Et la société tombe faillite. Merci et non seulement des arriérés. Mmh. Vous n'allez pas oublier que nous avons des problèmes à payer à Kenya Airways. D'accord. C'est à cause de ça. Tout à fait. Donc, je fait. Pense que c'est bien bon, la volonté politique, merci. Mais merci ne beaucoup. Nous bouffez pas tout ce qui est produit. D'accord. Monsieur Moleka, je vous repasse la parole. On a aussi ce système politique qui, pour certains, pense qu'il est trop intellectuel. Certains disent que même que le système semi-présidentiel est un système qui n'est pas adapté aux Congolais parce qu'on ne donne pas tout le pouvoir au chef de l'État de mettre en œuvre sa politique. Il doit toujours collaborer avec ses collaborateurs pour que ce système-là, ce système de semi-présidentiel, n'est-il pas aussi un problème pour, il n'y a pas de meilleur système politique. Chaque système s'adapte aux réalités, je dirais, de la contingence. D'où est venu le système que nous avons, le semi-présidentiel? C'est parce que dans un passé récent, nous avions dit que le système présidentiel était mauvais et il nous avait conduit à un présidentialisme avec Mobutu, tout puissant, qui contrôlait pratiquement tout. Et que durant la première transition, rappelez-vous, l'UDPS se battut pour que nous tombions dans un régime parlementariste. Parlementaire. Avec un président qui règne, qui ne gouverne pas, et un parlement tout puissant avec un premier ministre émanant du parlement. C'est pour ça que Étienne Tshisekedi voulait être Premier ministre, rappelez-vous la bataille conférence. Durant la première transition, c'est parce que l'IDPS voulait que nous adoptions un régime parlementaire avec un président réduit. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, nous avons trouvé l'équilibre. Le système d'aujourd'hui, c'est une sorte de syncrétisme. On a trouvé l'équilibre entre les partisans d'un régime présidentiel qu'on a gardé. Et les partisans d'un régime parlementaire qu'on a gardé. Et donc, on est au milieu. Le semi-présidentiel, c'est un président qui gouverne, qui a des pouvoirs, mais c'est également un parlement qui a des pouvoirs parce que le gouvernement est l'émanation du parlement. Donc, c'est ça l'équilibre qu'on nous a donné. Donc, c'est un attelage qui tient compte de notre historicité, d'où on vient. Donc, si aujourd'hui, on nous dit que le système présidentiel qu'on a hier contesté sous Mobutu est le meilleur modèle, ça veut dire qu'on n'a pas tiré les erreurs du passé. On n'a pas tué les erreurs du passé. Est-ce qu'il faut stabiliser la majorité au Parlement? Ça veut dire avoir un système partisan plus stable ou avoir un président qui a plus de pouvoir? Le problème, moi, je crois que c'est au niveau du Parlement. C'est au fait que nous avons un système proportionnel qui nous permet d'élargir la composition de la majorité et vous avez des majorités émiettées qui nécessitent chaque fois de négocier, de renégocier pour avoir une stabilité gouvernementale. C'est ça le notre problème. Maintenant, comment on corrige la proportionnelle? C'est pour ça qu'on avait mis le seuil. Le seuil est né parce qu'on a voulu corriger la proportionnelle et réduire cet éclatement des majorités en poussant les gens à aller vers des regroupements. Malheureusement, c'est un des regroupements électoraux et puis le Parlement, ils reviennent dans ce qu'ils étaient auparavant. C'est à nous, à travers des expériences, d'améliorer la proportionnelle. Il y avait la tentative de quitter la proportionnelle pour aller vers des scrutins majoritaires. Les élus ont refusé. Aujourd'hui, on a ajouté au seuil, le seuil d'irrédévabilité. C'est encore des mécanismes de correction, la proportionnelle. Veuillons voir comment en 2023, et le seuil d'irrédévabilité et le seuil de 1% vont nous aider à améliorer la proportionnelle. Moi, je crois que c'est le niveau aujourd'hui, l'opinion a tendance à tout mettre sous le dos du chef de l'État pour dire que le président a échoué. Or, dans la gestion de la chose publique, le président n'est pas le seul content, il cogère. Normalement, il cogère. Oui, mais cette limite-là est en train aussi, on dirait, est en train d'échouer parce que sur le terrain, on a l'impression que. Mais parce que le gouvernement met en action la politique du chef de l'État. C'est la politique du chef de l'État. Il a été élu sur base d'un programme et le gouvernement met en avant la politique du chef de l'État. C'est pour ça que la responsabilité lui incombe. Mais en même temps, il faut expliquer aux Congolais que nous sommes dans une république à plusieurs étages. Ça veut dire que vous avez des gouverneurs qui ont des pouvoirs et qui ont des capacités de mettre en action leur pouvoir pour l'intérêt. Même si on n'est pas descendu en bas, parce que là, avec les élections municipales et urbaines, nous aurions eu notre étage avec des bourgmestres qui auraient des pouvoirs. On ne faut pas oublier que Ngobila a un bilan donné, parce qu'en tant que gouverneur, il a un bilan donné à son niveau, et que le président également a un bilan donné à son niveau. Donc ça, c'est un travail d'éducation
politique à l'opinion pour qu'ils comprennent que nous avons une République à plusieurs étages et qu'à chaque étage correspond à un niveau de responsabilité. Merci beaucoup, M. Moleka. M. Trésor Kalala, je pense que c'est peut-être l'avant-dernier tour de parole. Vous avez dit tantôt que le chef de l'État est en train, il y a certaines volontés, mais c'est qui a été pratiquement contredit par vos co-débatteurs, qui déjà cette volonté-là est battue en brèche quand on se rend compte que la présidence aujourd'hui, c'est l'institution qui est la plus budgétivore parmi toutes les institutions. Ça remet en cause quand même la question de cette volonté-là. Bon, je ne sais pas si vous avez mené des investigations et vous avez conclu que la présidence... Non, on ne dit pas la plus, on dit parmi les plus budgétivores. Parmi, voilà. Parmi, effectivement, en fait, les quatre institutions sont budgétivores. Président de la République, Assemblée nationale, gouvernement, la justice, un peu, mais c'est surtout les trois qui bouffent, n'est-ce pas, une grande partie, n'est-ce pas, du budget. J'ai dit la présidence, l'Assemblée nationale et le gouvernement. Les débats sont déjà sur la table. Je l'avais dit même la fois dernière, que moi, je suis d'avis qu'il faut que l'on change, il faut réduire. Il faut sensiblement même, il faut sensiblement réduire le train de vie des institutions parce que 60% c'est beaucoup. Parce que quand vous regardez les trois institutions, c'est un petit groupe d'individus. Ils font peut-être moins de 1000 personnes. Okay? Ou à la rigueur, on peut aller peut-être à 2000 personnes seulement. Mais ils doivent prendre 60% du budget. Comparé à des millions de Congolais, moi je crois que c'est un vrai contraste. Il faudrait que les choses changent. Mais... ce n'est pas par le fait que le débat soit sur la table que le président n'a pas une bonne volonté de changer les choses. Le président a une bonne volonté de changer les choses. Le fait déjà, moi ce que je veux c'est qu'on reconnaisse ces petits pas. Le fait déjà d'avoir une prévision budgétaire de 14 milliards, c'est déjà un pas qui est effectué. Le fait d'avoir les réserves d'échange qui ont galopé aujourd'hui, nous ferons je crois les 6 millions plutôt les 6 milliards de dollars, je crois que c'est une volonté qu'il faut saluer. Alors. Le président veut sortir son peuple de la misère. Par exemple, il y a eu des législatures qui se sont plutôt des législatures qui se sont succédées. On n'a jamais songé même à exploiter notre pétrole. Alors quand le président lance, par exemple, la vente aux enchères de le bloc pétrolier, je crois que c'est une volonté. Vous savez que c'est 600 milliards de dollars que le pays peut gagner, 600 milliards de dollars, 660 milliards de dollars. Et d'ailleurs, la vente est aux enchères, d'où on peut aller même au-delà. En fait, tout ça, c'est la volonté. Je disais, quand on interdit la sortie du brut, c'est la volonté. Mais déjà, vous voyez, lorsqu'on commence à construire le port de Kikolé, c'est une volonté déjà. Donc, les 600 milliards, c'est vrai, on peut les avoir, mais déjà dans un environnement qu'on connaît, l'environnement de détournement, de corruption, cet argent risque de peut-être se voilà, dilapider. Nous sommes en train de décrier d'où il faut des vrais garde-fous. Mais il y a quand même un petit pas qui vient d'être effectué. Aujourd'hui, tu détournes, tu es poursuivi. Même si nous sommes en train de décrier qu'il y a des gens qu'on arrête aujourd'hui, et demain, on relâche. Mais néanmoins, il y a un petit pas qui vient d'être effectué. Aujourd'hui, pour détourner, il faut réfléchir du foie. Ça ne se fait plus comme... comme avant, quelqu'un pouvait détourner, rentrer chez soi, il est à l'aise. Aujourd'hui, pour détourner, c'est que tu dois réfléchir 10 fois. Il y a déjà la peur, ok, des détournements, parce que au moins tu auras la justice derrière toi. Même si nous sommes en train de décrier que ce n'est pas l'idéal, en fait, on arrête les gens, puis on les relâche, mais au moins, on peut t'arrêter, on peut t'interpeller, n'est-ce pas? On peut te demander les comptes. Parce que ce qui a tué ces pays, si nous sommes dans la pauvreté jusqu'aujourd'hui, c'est l'impunité. D'accord. Alors la lutte contre l'impunité, c'est déjà un pas que nous sommes en train d'effectuer. Je vais poser la question que j'ai posée à M. Moleka tantôt, la question de la responsabilité des gouvernants devant le peuple quand il n'y a pas de réalisation, notamment le pouvoir exécutif est bicéphale avec le président et le gouvernement. Mais... dans la pratique, dans la réalité, quand vous entendez la population réfléchir, on a l'impression que c'est plutôt le chef de l'État qui est plus content que les membres du Parlement, ou même que les membres plutôt du gouvernement. Qui est plus content. Plus content, c'est-à-dire qu'il compte, sur qui on compte plus sur... Ok. Oui. Oui, bon, écoutez, parce que nous sommes dans ces régimes, les gens vont vous dire que c'est le régime Tshisekedi. C'est okay? Normal. Donc il est le garant du régime. Vous voyez, donc quand ça ne marche pas, c'est lui. Alors on parle du président de la République, effectivement, parce que c'est lui qui donne l'impulsion. Okay. C'est lui que le peuple a élu et il s'est choisi, n'est-ce pas, des collaborateurs. Et quand les collaborateurs ne travaillent pas, ne donnent pas les résultats, directement ça tombe, n'est-ce pas, sur les chefs de l'État, d'où il doit avoir aussi un œil très regardant. Et ceux en qui il a placé sa confiance doivent être aussi sérieux et accomplir la tâche
Arrêtez, n'est-ce pas? On les a assignés. C'est comme je l'ai toujours dit, le président de la République, il n'a pas pour opposant tout ce que nous sommes en train de voir, les Martin, les Moïse, Kabila et tout. Ce n'est pas ça les vrais opposants de Félix Tshisekedi. Les vrais opposants de Félix Tshisekedi, ce sont les personnes en qui lui a placé sa confiance, mais qui, eux, en retour, ne travaillent pas selon sa vision et, n'est-ce pas, ne répondent pas à l'attente de la population. Voilà là les vrais opposants qui ne veulent pas que les choses marchent. Alors, c'est comme ça que le président, comme c'est lui le garant, c'est lui que le peuple a élu et c'est lui le commandant. Alors, c'est comme ça que quand ça ne marche pas, c'est on lui, dit que c'est lui. Mais quand ça marche, disons aussi que c'est lui. C'est lui. Et surtout qu'il a déjà la volonté manifeste quand Kanyamaka se relève, quand les routes se construisent, d'accord, quand on pense quand même, au moins une fois, à raffiner notre propre pétrole, quand les budgets augmentent, les réserves d'échange et tout ça. C'est déjà une volonté, même si nous voulons qu'on puisse réduire les trains de vie, n'est-ce pas, des institutions. Merci beaucoup, M. Richmara. Pour finir, est-ce que, dans la manière dont les choses se déroulent au pays actuellement, même si on a accordé un deuxième mandat au président Tshisekedi, est-ce qu'on peut quand même espérer qu'il y ait un changement, une amélioration, ou bien ce changement-là est déjà en cours? Il nous reste pratiquement 7 minutes, pendant 2 minutes et demie. Quel est votre point de vue là-dessus? Et vous aussi donner des propositions pour améliorer. Par rapport à la question telle que posée, en tout cas de la manière dont les choses se passent actuellement, il n'y a pas vraiment un grand changement à espérer, à moins qu'on change un peu de stratégie. Sinon, vous avez nous avons quelle qualité de parlement? Quelle est la qualité de nos parlementaires? Ils nous rendent quel service? Contrôlent-ils le gouvernement? Voilà tous les spectacles qu'ils nous offrent. Ils sont champions en transhumance au cours d'une même législature. Nous avons vu tout type de spectacle. Donc, nous sommes dans cette façon de gérer le pays à tous ces niveaux-là. En tout cas, ça ne nous garantit pas du tout des bons résultats au final. Je pense qu'il n'y a pas autre mot à le dire. Parce que quelques propositions à faire. La proposition, les propositions, je pense que le président, en tant que garant du bon fonctionnement, c'est de par le bon fonctionnement, c'est-à-dire que la justice soit appuyée, qu'il y ait des sanctions exemplaires, que les gens, vous avez cité Willy Bakonga, ainsi de suite, mais quand ils commettent des gaffes, ils fouillent où? À l'Union Sacrée. Et là-bas, la politique s'impose sur la justice. Et tout cela, c'est sous-entendu. L'Union Sacrée a un chef, c'est Félix. Donc c'est à lui de donner un temps. Il doit être précis pour nous donner des résultats et bannir toutes ces antivaleurs. Donc s'il n'élague pas ces antivaleurs-là, eh bien, on n'aura que nos yeux pour pleurer. D'accord. Monsieur Moleka, pratiquement la même question. Sous le président Tshisekedi, comment voyez-vous la suite, c'est-à-dire les prochaines années, au cas où il est élu à nouveau? Je crois que s'il devait être élu, le président devait avoir le courage de changer radicalement de cap. Changer radicalement de cap veut dire travailler sérieusement à la diversification de l'économie, de sortir la dépendance des minerais, pour lesquels d'ailleurs, du reste, nous ne faisons pas les cours, et qui dépendent des fluctuations de l'économie mondiale, pour une économie tournée vers l'agriculture, et vers des systèmes comme le tourisme pour attirer les recettes. Il faut qu'il réussisse à prendre ce virage-là. Ce virage-là, c'est modifier fondamentalement comment nous répartissons la richesse produite en interne dans les budgets. C'est un tour de vis. Un deuxième mandat, le premier mandat, on le fait pour avoir le second. Et donc, on fait des compromis, on équilibre. Le second mandat, on le fait pour entrer dans l'histoire. Parce que c'est supposé qu'on n'a pas un troisième. Et donc on est libre des compromis, on est libre des alliances, parce qu'on ne va pas revenir en principe. Et donc on peut faire des tours de vis radicales pour imposer des choix qui vont rester dans l'histoire. Notamment, diversification de l'économie, augmenter notre capacité de production. Parce que nous avons un pays qui ne produit presque pas. Comment allons-nous créer la richesse si on n'augmente pas la capacité de production? Et ça demande de mobiliser énormément en interne pour avoir les capacités de financement. Ensuite, il faut assainir. Nos partenaires à l'extérieur qui veulent venir ont besoin de crédibilité. Il faut assainir l'image du pays. Il faut assainir les finances, il faut assainir la justice. Il faut des réformes dans le secteur financier. Et pour ça, ça demande des hommes de rigueur, ça demande des hommes intègres. Je voulais poser cette question-là, mais malheureusement, le système électoral n'est pas assez coûteux pour notre pays. Pourquoi ne pas prendre un système indirect? Lorsque les gens disent qu'il est coûteux, il faut en même temps demander le coût de l'absence des élections, c'est combien?
Est-ce qu'on a déjà calculé les coûts de la guerre? Ça fait 20 ans qu'on est en guerre. C'est quoi le coût de la guerre et le coût de l'instabilité? Je crois que le coût de l'instabilité est plus élevé que le coût des élections. Et il me semble que c'est un sacrifice normal si nous voulons la stabilité et la paix. Maintenant, le problème, c'est comment on optimise. Vous avez des pays. Comment on optimise? Nous ne sommes pas obligés de coupler les scrutins. Même les États-Unis d'Amérique ne couplent pas les scrutins. Cette année, au mois de novembre, il y a les midterms aux États-Unis. En France, on ne couple pas les scrutins. Vous avez d'abord les présidentielles, ensuite, vous avez après les législatives. Pourquoi nous voulons coupler présidentielles, législatives, provinciales à un moment? Ça veut dire que nous faisons un effort financier énorme à un moment. On n'a pas obligé d'avoir des élections couplées. On peut avoir des présidentielles, découplées des provinciales, et donc des mandats qui se chevauchent, un président qui finit son mandat, mais qui trouve un parlement qui est installé, inversement. C'est-à-dire que ça, c'est notre capacité à imaginer comment on peut optimiser les recherches, et ça peut se faire. Merci beaucoup. Trésor Kalala, aussi pour finir, comment voyez-vous les prochaines années si le président Tshisekedi est à nouveau élu président de la République? Oui, là vous parlez comme un prophète. Je crois que le président Tshisekedi sera réélu. Sera réélu. Et ces mandats, moi, je suis en train de les considérer comme une transition, en fait. Parce qu'il y a eu du tout dans ces mandats. Il y a eu plusieurs alliances. Vous vous souviendrez de FCC Cash et maintenant c'est Union Sacrée. En fait, toutes ces alliances empêchent même le président à réaliser sa propre vision. Vous voyez, parce que quand il y a trop d'événements, on remodifie les choses, il y a des nouveaux débats. Il y a un peu du tout dans les alliances. FCC Cash, Union Sacrée. Donc moi, je considère ça comme une période de transition. Et je considère que le vrai mandat de Tshisekedi va commencer après 2023. Dans les élections de 2023, après sa réélection, alors là, ça sera le vrai mandat de Tshisekedi, parce que là, je crois qu'il sera libre, on vient de le dire, de toute alliance, de tout accord, et là, il pourra gérer le pays selon sa vision, et c'est à ces temps-là que le pays, n'est-ce pas, décollera. Mais en entendant ces temps-là, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons. Mais j'aimerais rebondir sur quelque chose que M. Tshimbala en venait de dire, non, que l'Union Sacrée est en train de prendre les dessus sur la justice. Il dit non, depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais connu une justice indépendante comme nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, la justice ne suit pas les injonctions de l'exécutif. Imaginez, on peut arrêter aujourd'hui un directeur de cabinet chef de l'État. Aujourd'hui, on peut arrêter un ministre. Aujourd'hui, il y a des mandataires qui défilent au palais de justice pour être auditionné et parfois même mappé. Donc on n'a jamais connu aussi une justice indépendante comme elle est maintenant depuis que le Congo est Congo. On ne l'a pas vécu avec Mobutu, on ne l'a pas vécu avec Kabila. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est à cause de Tshisekedi. Et aujourd'hui, même quand les gens crient et tout, au moins la gestion de la chose publique, nous pouvons être informés de combien on a détourné. Okay? Ce qui ne se faisait pas sentir avant. Et même Luzolo Bambéry a dit une fois que par an, le pays était en train de perdre au moins 15 milliards de dollars. Ouais, mais on ne savait pas identifier qui pouvait prendre. Mais avec Tshisekedi, on peut dire qu'il y avait des tournements à Foner, il y avait des tournements à Senses, il y avait des tournements à Congo Airways. Et ces gens sont interpellés et parfois même punis. Même si on n'a pas encore atteint l'idéal, mais au moins il y a quelque chose qui est en train de se faire. Comme je disais, ce qui a tué ces pays, c'est l'impunité. Alors ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut accentuer. Sur le contrôle, il faut accentuer la rigueur, il faut punir ceux qui détournent, n'est-ce pas, l'argent de l'État, et aussi mettre l'accent sur l'agriculture, j'insiste sur l'agriculture, qu'on puisse construire les routes à desserte agricole, qu'on achète les bateaux de pêche, qu'on aménage le merci port, beaucoup. Afin que nous puissions quitter, n'est-ce pas, notre... merci beaucoup. Nous quitter ces situations de souffrance. Monsieur Trésor Kalala, d'avoir répondu à notre invitation. Messieurs, merci beaucoup, monsieur Henri Kimbalanga aussi. Je vous en prie. D'avoir fait de même. Merci beaucoup, monsieur Moleka. C'est moi qui vous remercie. Ce n'est pas une dernière fois qu'on vous reçoit. Merci, messieurs, pour la qualité du débat qu'on a eu ce matin. C'est vraiment fantastique. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Au revoir. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao.
Avec BioHelps Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com.